Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la présentation de trois petits livres que j'ai reçus des éditions Larousse Pratique pour vous les présenter, pour les partager avec vous. Et j'en ai déjà présenté deux sur Instagram et il y en a plusieurs qui m'ont demandé si je pouvais en faire une vidéo, donc voilà, c'est ce que je fais. Donc il s'agit de ces trois petits livres qui sont vraiment magnifiques. On va commencer du coup par le premier, hein. C'est de la nouvelle collection Apprenti Sorcière. Donc le premier, c'est Petit Rituel de Magie de Océane Leysouk et Estelle Modo. Voilà. Bon, déjà la couverture est magnifique. Moi j'aime beaucoup avec ces dorures, les petits outils, etc. de sorcière. Super joli. Alors, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Réveillez la sorcière qui est en vous. Découvrez dans ce petit guide les rituels magiques ancestraux. En les pratiquant au fil des saisons, ils vous permettront de renouer avec vous-même et avec la puissance bienfaisante des éléments. Pour commencer, initiez-vous au précepte Wiccan. Constituez votre trousse de sorcière et votre autel et préparez vos premiers rituels. Au rythme du soleil et de la lune, il est temps de célébrer Saba et Esba en suivant nos conseils pas à pas. Samhain, Yule ou Imbolc vous permettront de retrouver le chemin de l'harmonie. Voilà, et ici on nous explique qui sont les deux autrices. Voilà, et il est au petit prix de 7,95€. Franchement, vous allez voir. Et je vais vous montrer, regardez l'étrange comme c'est joli sur une bibliothèque. Avec ses yeux ici. Vous allez voir que pour 7,95€, franchement, le livre est vraiment très très beau. Déjà, il est tout en couleur. Je disais donc, avant que le chien aboie, qu'il est tout en couleur. Bon, on a ici le sommaire, du coup. Je vais essayer. Voilà. Philosophie et principes Wiccan. Qui vénère-t-on? La trousse de sorcière. Les best practices magic. Un petit peu un mélange d'anglais, ça. Les oui et sabbats annuels, évidemment. Les esbats de pleine lune. Dans l'atelier de la Wicca. La cuisine des sabbats. Et voilà, regardez comme c'est joli. Avec ce violet, cet encart. Le monde des week-ends, du coup. Regardez-moi ça comme il est beau. Il a vraiment de magnifiques illustrations. On a... Bon, je ne vais pas vous montrer toutes les pages. On va passer comme ça. Voilà. Ici, par exemple, on nous parle des offrandes. Je vais passer quelques pages. L'hôtel de poche. Regardez, moi j'adore les illustrations qu'ils ont mis dedans. Invoquer les points cardinaux. Ici le bain de fumée, purification au sel. Les huit sabbats. Donc par exemple ici on commence par Yule. Un peu d'histoire, pourquoi est-ce qu'on célèbre Yule. Ici on a les correspondances, comment décorer son hôtel, les rituels qu'on peut faire à Yule. Et bon, on a ça pour les huit sabbats. Lumiasat, ma bonne Sowin. Ensuite, les esbats de pleine lune. Là, on va nous expliquer les phases de la lune. Regardez comme c'est beau. Lune et le zodiaque. Les rituels à accomplir. Elle n'est pas magnifique, cette photo. Franchement, ils l'ont bien illustré. Pleine lune de juillet. Là, on a plusieurs pleines lunes. Voilà. Ici. Dans l'atelier de la Wicca, par exemple, comment faire de l'eau de lune. C'est une question qu'on m'a déjà posée, ça. Les encens, les pierres, on a vraiment un peu de tout. Il est super joli et pour 7 euros, entre nous, hein, la cuisine des sabbats, ici on va avoir des recettes. Par exemple pour Yule, la bûche de la Renaissance. On va regarder pour Samhain. Voilà, Samhain, cake au potimarron et aux épices. J'adore la petite citrouille. Voilà. Et puis ici, on a une petite page où on peut noter recette rituelle de sorcière. Et voilà. Ça, c'est le premier sur les petits rituels. Moi, je l'adore. Ensuite, bah, dans le même esprit un petit peu witchy sorcière, on a cette fois-ci plantes, potions et décoctions de Pauline Capmas de la Rue. Voilà.
On va lire ce qui est écrit au dos pour commencer. Laissez-vous envoûter par la magie des plantes. Au gré des saisons, découvrez près de 70 plantes, leurs principales propriétés et leur usage en magie, notamment pendant les grandes célébrations païennes. Pour chacune, découvrez leurs pouvoirs magiques et comment les utiliser. Grâce aux nombreuses recettes faciles à réaliser, vous apprendrez à concocter une tisane digestive, fabriquer un filtre d'amour ou encore confectionner une amulette protectrice à base d'herbes séchées. Vous pourrez également vous plonger dans un bain magique, réaliser un cataplasme contre les rhumatismes ou créer votre hôtel pour célébrer les différents sabbats tout au long de l'année. Et il est aussi au petit prix de 7,95 €. C'est chouette parce qu'ils font des livres avec des petits prix accessibles, bah, du coup à plus de monde. Voilà. Toujours en couleur. Hein. Bon, on a le sommaire ici avec quelques petites comme là, les conseils. On va parler un peu de druidisme, comment cueillir, comment bien préparer, comment enchanter ces plantes. On parle un peu de la roue païenne. Puis on va classer les plantes bah, par saison. Par exemple, hiver, printemps, été, automne. Voilà. On va regarder un petit peu hein, du coup ici c'est le début hein, un petit mot sur le druidisme, sur la cueillette, comment bien préparer ses plantes, comment enchanter ses plantes. Ici les instruments indispensables pour les rituels et les potions. Ici la roue païenne, très très jolie. Et puis on passe à l'hiver et du coup on va retrouver ben, plutôt on va nous parler d'abord des grandes fêtes de l'hiver, Yule, Imbolc, et puis on va nous parler des plantes. Par exemple ici le basilic, vous voyez, ses pouvoirs magiques, précautions d'usage, et ici on aurait une infusion pour bien digérer, et ici divination concernant une relation amoureuse. Puis on a le bouleau, je vais passer quelques pages, le cyprès, l'oranger doux, ici on a tout, on est toujours dans l'hiver. L'abricotier, on le retrouve ici, si on est au printemps. Enfin, vous voyez. Le lilas. Oh, le lilas. Cette année, j'étais si triste. Il a fleuri, il a fané quasiment instantanément avec toute la pluie qu'on a eue. J'ai même pas eu le temps de me faire un bouquet. Le muguet. Le blé. Là, on est passé en été, évidemment. La digitale. Le romarin. Toujours en été. La sauge. Et ici, on passe en automne. Alors, on est d'ailleurs sur Mabon et Sowin. Le châtaignier. La châtaigne. Rôti dans le feu au bois. La fougère mâle. Voilà. Pommier. Regardez comme c'est joli cette petite fiole. Tournesol. La verveine. Et voilà. Et puis, bibliographie. Voilà. Celui-ci, c'est pour les potions. Plantes et potions. Et le petit dernier. Les cristaux et les énergies de Claire Taupin. On va lire ce qui est écrit aussi. Les cristaux vous livrent une partie de leurs secrets. Découvrez dans ce petit guide la puissance des cristaux à même d'agir sur nos énergies physiques et psychiques. Ils peuvent nous aider à retrouver équilibre et bien-être. Apprenez à les choisir selon vos besoins et à constituer votre propre trousse de secours cristalline. Retrouvez aussi des conseils pour les utiliser au quotidien via des rituels simples et pour en prendre soin grâce à différents modes de purification. Voilà, on nous explique qui est clair et il est toujours au prix de 7,95 €. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que ce sont des tout petits livres. Par exemple, si je vous prends, ben, lui je l'ai sous la main, le tarot renard, vous voyez? Ils ont à peu près la grandeur d'une boîte de tarot. Donc ils sont faciles à mettre dans le sac ou... Voilà, bon, toujours en couleur. Regardez comme c'est joli, les petits dessins de cristaux. Alors, le sommaire, avant de me lancer, comment fonctionnent les cristaux? On va parler des chakras. Où acheter mes pierres? Comment les choisir? Si on peut offrir des pierres? La forme de la pierre, est-ce qu'elle impacte sur son énergie? Là, on va plus nous parler des brutes, déroulées, taillées, etc. Bijoux. À chaque situation, sa synergie et ses pierres. Voilà. J'ai choisi mes pierres et maintenant, là on parle de purification, rechargement, rangement, etc. SOS, j'ai plus de pierres, ma trousse de secours cristalline, et puis pour aller plus loin, voilà. Introduction,
Et il y a aussi des magnifiques photos avant de me lancer. Ici, on va plus nous parler des chakras. Voilà. Et vous voyez, on a chaque fois un masking tape. Je vais y arriver de couleur qui correspond. Le violet correspond bien au troisième œil. Voilà. Ensuite, comment les choisir? Voilà. Puis, je travaille avec plusieurs pierres en même temps. La forme de... Ici, oui, on va parler des pierres brutes, pierres roulées, taillées, en bijoux, etc. Et s'il y a une différence entre les grandes pierres et les petites pierres, à chaque situation, sa synergie. Ah, ici, c'est chouette, c'est des petits... ici, par exemple, les trois, l'épidolite, quartz, améthyste, ça nous dit... je dors mal ou j'ai du mal à dormir. C'est des petits sacs à faire. C'est chouette aussi. Je manque de confiance en moi. Je me dévalorise. Ou ça peut tout simplement avec quelle pierre travailler aussi. Par exemple. Je suis stressée, anxieuse. Je veux développer mon intuition. Je veux me connecter à mon côté sorcière. Bon. J'ai choisi mes pierres. Et après. Comment... On se les approprie. J'adore les illustrations au fil de la plume. Comment travailler avec sa pierre. Bon, ici, on avait tout ce qui était purification, etc. Comment recharger. Regardez-moi cette géode. Oh là là. Comment les recharger, du coup. Je passe un peu. SOS, je n'ai plus de pierre. Oui, par exemple, quand une pierre est cassée, on dit toujours que le mieux est de la remettre en terre. Ma trousse de secours, cristalline, tourmaline, cornaline, la citrine naturelle, par exemple. Et alors, on va nous dire hein, le chakra, la couleur, les mots-clés, ici, comment l'utiliser. Et ne pas confondre avec la citrine chauffée. Le quartz rose, l'angélite. Aulite, c'est des pierres assez connues, ça c'est chouette. La agate, la sélénite, j'adore les reflets de la sélénite. Voilà, et pour conclure, et voilà. Voilà, donc pour tous ceux qui voulaient voir la revue des trois livres en vidéo, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Franchement, ils sont super chouettes, tous les trois. Je ne sais pas si la rousse compte en faire des autres, et franchement, pour 7,95€, ils sont vraiment super. Et comme vous avez vu, ils sont superbement illustrés. Le contenu est très très chouette. Moi, je les aime autant. Enfin, je les aime tous les trois. Voilà. Et dites-moi en commentaire si vous avez craqué pour l'un des trois ou pour les trois. Ou si lequel vous intéresse. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Bisous, bisous.